Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sebonne. Nous sommes de retour pour des révélations hors du commun. Nous allons écouter plusieurs histoires mystiques. Vous pourrez aussi réagir en commentaire. Nous commençons par la première histoire. Une femme va nous expliquer comment un homme a rencontré une revenante. Et cette revenante est accompagnée d'un sac et une valise très lourde. Le problème, c'est que cette revenante a disparu plus tard. C'est du hors du commun! Écoutons ça. C'est depuis le Gabon. En fait, c'est un ami qui m'a raconté cette histoire. Donc, D'accord. il faisait la route dans un gros camion dans un village. Il croise une famille. Il y avait la maman, le papa et leur jeune fille, une adolescente qui venait de gagner son bac d'après les parents. Ils ont supplié le conducteur d'emmener leur fille dans une autre ville. C'était en soirée. Alors, le conducteur a accepté. La fille avait avec elle une grosse valise. Donc, ils avaient même du mal à mettre cette valise-là dans la voiture. Le papa soulève, la maman soulève, même le conducteur vient soulever, la fille soulève. C'était tellement lourde. Ils ont appelé les gens qui passaient, ils ont aidé à mettre la valise de la fille dans le véhicule. Après, le conducteur démarre, il part avec la jeune fille. Il se rend compte que la fille, elle a un petit sac avec elle. À chaque fois, elle fait sortir des choses de son sac. Elle était dans un village, hein, je rappelle. Il n'y a pas de boutiquier là-bas, il n'y a rien en fait. Un village. Mais elle fait sortir des choses comme des sandwichs de son sac, des pommes, des oranges. Elle avait tout ce qu'elle voulait dans son sac. Étant donné qu'il faisait nuit, ils n'ont pas pu arriver dans la ville là où ils partaient. Ils ont dû dormir en route. Ils ont pris un motel. Et la fille a dit sa valise ne peut pas dormir dans le véhicule. Il fallait que ça rentre dans la chambre qu'ils avaient louée. Ils ont soulevé la valise avec le gardien du motel, avec quelques personnes. C'était vraiment compliqué pour faire entrer cette valise-là dans la chambre. Mais ils ont quand même réussi. Le sac de la fille est resté dans le véhicule. Elle a oublié ça. Elle a dormi avec le monsieur dans la chambre. Il a fermé la porte à clé. Il a bien fermé la porte à clé. Ils ont raconté, 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 mais ils n'ont rien fait, ils ne se connaissaient pas, ils ont juste partagé la chambre. Le gars se réveille le matin, la fille a disparu, mais il est dans la chambre est fermée à clé. La grosse valise de la fille aussi a disparu. Il dit, oh, comment elle a fait pour sortir d'ici? Il part regarder la porte était toujours fermée à clé de l'intérieur, mais la fille est passée par où? Il ouvre la porte, il part demander au gardien si la fille est sortie. Mais, à sa grande surprise, le gardien dit non. Depuis que vous êtes entré, vous n'êtes pas ressorti. Il dit ça, c'est quelle histoire? Et la fille qui avait la grosse valise, tu es sûr que tu ne l'as pas aidée à soulever ça? Il dit jamais, elle n'est pas passée ici. Et puis moi, je ne voulais même plus vous aider parce que la valise, là, ça pèse trop. Moi, je ne pouvais plus faire ça. Donc, si elle est partie, c'est une bonne chose. Il dit, OK, elle a oublié son petit sac dans le véhicule. Je vais aller vérifier si c'est là-bas. Quand il ouvre le véhicule, le petit sac de la jeune fille aussi a disparu. Personne ne comprend. Il était choqué, en fait. Elle a disparu comme ça. Donc, il s'est dit, peut-être qu'il a transporté un esprit. Elle a disparu avec tous ses problèmes. Bon, c'est un peu ça. Merci. Elle a disparu avec tous ses problèmes. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter un autre témoignage. Le témoignage d'une jeune femme encore. Ce qu'elle va nous dire, vous devez vraiment bien écouter ça. Parfois, des bagarres éclatent. Vous venez séparer et la mort survient après. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutons. Et j'avais, j'ai une, bon, je peux dire, c'est une chère, parce qu'on a vécu ensemble.
elle était avec son copain. Le copain, il était rentré du boulot, il était à la maison. Elle devait lui donner à manger, tout et tout. Et la fille, elle était enceinte. Étant à la maison, les gens sont venus l'appeler. Ah, qu'il y a un de tes amis qui est en train de se battre dehors, on le sépare, on essaie de le séparer depuis, il ne veut pas tout. Il veut pas écouter, au fait, que s'il peut venir aider. J'en parlais avec son ami pour qu'il arrête la bagarre, tout ça. Il dit ok, il laisse sa femme enceinte à la maison, il sort, il a essayé au fait, d'arrêter son ami, il voulait pas. Non, 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 je veux pas, je veux pas. Le monsieur qui était à la maison, tout tranquille, en train de peut-être chercher à manger, tout ça, il est tombé là, là. Quand le monsieur, il est tombé, la voiture est passée sur sa tête. La voiture est passée sur la tête du monsieur comme ça. Forme, le monsieur, il est mort. Donc, la bagarre, même tout ce qui est en train de se passer là, maintenant, ils ont arrêté. Le monsieur, il est mort. Sa femme était enceinte à la maison, ton mari vient de sortir pour aller séparer là. Lui, il est resté dans ça. Donc, dans la vie, là, souvent, on est là, on se balade. Souvent, on nous a déjà vendu, mais on ne sait pas. Le monsieur, il est allé, il est mort comme ça. Après, on n'a plus de suite. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur, il est mort comme ça. Ouais. Ça là, que ça vous aide. Que ça vous aide vraiment. Ne mettez pas votre bouche ou vos mains dans n'importe quelle bagarre. Et oui, parfois c'est un piège. La personne qu'on cherche, c'est vous. Juste ces sorciers-là font du bruit pour que vous puissiez sortir de vos zones de sécurité afin qu'ils puissent vous tuer ou vous avoir ou vous atteindre. C'est ce qui se passe. Surtout en période de fin d'année. Faites très attention. Écoutons encore une autre histoire. Donc, quand j'étais allée en vacances à Dakar, elle m'a raconté l'histoire jusqu'à aujourd'hui, même là, j'ai encore la chair de poule à cause de cette histoire-là. C'est une de ses amies qui est maintenant décédée, qui à l'époque, bon, les côtés musulmans, là, tout le monde, bon, la plupart des hommes, ils ont le droit de prendre plusieurs femmes et tout. Donc, l'amie de ma tante avait rencontré un monsieur qui était un commerçant. Il avait l'argent, donc il est tombé amoureux de cette femme-là et elle a décidé en fait de se marier avec lui. Quand elle a marié le monsieur, en fait, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Alors que sa coépouse, la première femme, elle avait trois filles. Lui dit il veut un garçon, un héritier, il veut son héritier parce que le jour où il meurt là, il veut que quelqu'un puisse prendre la relève et tout. Il veut pas que ça soit une fille, il veut que ça soit son garçon. Donc elle était tellement désespérée, elle va voir les marabouts par-ci, par-là, dans tout Dakar, elle s'est baladée, elle est partie même à Saint-Louis, tout, chercher zéro. Donc elle est venue au Mali. Elle est arrivée au Mali, c'est une de ses amies qui lui a donné l'adresse d'un monsieur, elle est venue au Mali. Donc elle est venue au Mali, elle a vu un marabout qui lui a dit, bon, ce que tu vas faire là, si tu veux vraiment, elle a dit, elle veut que le monsieur, déjà elle veut avoir un enfant du monsieur, un garçon d'abord, son premier garçon. Et de deux, elle veut que le monsieur soit comme un chien. Soit comme un chien même pour elle, en fait. Que elle claque des doigts, même le monsieur doit ramper. Non, le monsieur lui a dit, ah, ce que tu vas faire, vu que moi je suis bien fort dans tout ce qui est mysticisme et tout là, ce que tu vas faire, tu vas aller à la morgue. Tu vas payer les gars qui gèrent les corps et tout là. Tu vas aller recueillir la salive d'un cadavre. Maintenant, quand tu vas recueillir la salive d'un cadavre, tu viens, on va travailler. Mais assure-toi que cette personne-là est fraîchement morte. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire ses enterrements maintenant et que cette personne n'est pas musulmane. Donc, elle a fait ça, elle est partie et elle a vu un monsieur, elle a payé le monsieur. Donc, elle a recueilli la salive du cadavre et elle a demandé. Si le monsieur était mort, on dit non, il vient de mourir, même, il n'y a même pas 20 minutes, donc on vient d'envoyer le corps à la morgue. Elle est partie donner au monsieur, il a fait les trucs qu'il devait faire et lui a remis une sorte de petite boule dans un tissu rouge. Il lui a dit, le cadavre où tu as pris la salive là, va mettre dans sa bouche et tu fermes, on doit l'enterrer avec ça. Donc elle est retournée à la morgue. Elle allait mettre le truc
La chair de poule, même, le truc dans la bouche du cadavre. Et c'est elle qui expliquait ça aux gens de son quartier avant de mourir. Quand elle mettait et elle fermait, en fait, la bouche s'ouvrait. À chaque fois, le cadavre ouvrait la bouche. Il ouvrait la bouche. Elle ferme. Donc, elle est sortie, allée voir le morguier pour lui dire, n'a qu'à trouver fil avec aiguille pour coudre la bouche du cadavre. Le mari aussi, lui, il s'en fout, on lui a donné son argent. Donc, il est parti chercher. Il l'a trouvé, il est venu, il l'a donné. Elle dit qu'elle est en train de coudre là même. Là. Le cadavre pleurait. Elle s'en fout, elle est venue faire son truc même, et puis, elle va partir. Donc, elle a fait. Quelques jours après, le monsieur a commencé à devenir bizarre avec sa première femme. Quand sa première femme parle, il commence à l'insulter. Arrivé au moment, il supportait même plus la présence de sa première femme dans la maison. Il l'a chassée, la femme. En plus de ça, elle a lancé malédiction sur les enfants de la première femme pour pas ils vont réussir. Eux tous, elle tout un cas d'ivoirienne même. Il y a une même qui était mariée, elle devait se marier, pardon, avec un monsieur là. Le monsieur a annulé le mariage au dernier moment. Donc ça n'allait même pas dans. Et la première femme, elle est devenue aveugle. Le monsieur aussi, il était à la maison, il ne faisait rien. Quand il reçoit son argent de ses ventes et tout là, c'est sa deuxième femme là qui prend. À chaque fois, prend, prend. Jusqu'à le monsieur a commencé à tomber malade. Le monsieur a commencé à tomber malade. Donc, elle allait voir le même marabout au Mali là-bas. Le marabout lui dit, ah, madame, là, là, moi, je ne peux rien faire. Hein. Moi, je n'ai pas de médicaments pour soigner maladie. Ce que tu m'as dit de faire, là, je suis là pour boisser, pour voûter, prendre les étoiles des gens. Soigner maladie, là, je ne peux pas. Donc, faut te gérer, il faut partir à l'hôpital. La femme a dit, elle a fait tous les hôpitaux, rien. Donc, elle est tombée une fois sur une femme, elle partait au marché. La femme lui a dit, ce que tu as fait à ton mari, là, ça va te rattraper. Donc, elle dit, elle n'a pas compris sur le moment. Et dès qu'elle a tourné son visage, elle voulait rattraper la femme n'était plus là. C'est là que elle, ses problèmes commençaient. Elle dit, elle montait les escaliers pour rentrer chez elle. C'est comme s'ils avaient versé huile dans les escaliers là-bas. Elle a glissé, elle est tombée. Quand elle est tombée là, elle est tombée sur le dos. Donc, ils l'ont envoyée à l'hôpital, on dit, elle a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Elle ne pourra plus marcher. Ah voilà, mais elle est désespérée. C'est son mari qui est devenu mouton chien. Lui aussi, il ne peut pas s'occuper. Lui, il est assis comme ça. Quand sa femme dit qu'il faut ramper, il rampe. Quand sa femme dit qu'il faut faire ceci, il fait ça. Il ne peut pas s'occuper. Donc, elle a appelé ses cousines donc, elle est venue s'occuper. Elle dit qu'elle dort la nuit. Elle a l'impression qu'ils sont en train de la chicoter. Ils sont en train de la chicoter. Que quelqu'un est sur sa colonne vertébrale. Souvent, elle dit qu'elle est couchée, mais c'est comme s'ils sont assis sur sa poitrine, elle n'arrive pas à respirer. Elle pleure la nuit, elle dit qu'elle est hantée. Donc, elle dit qu'elle l'a ramenée chez le marabout au Mali là-bas. Là. Ils sont repartis. Le marabout, là, son coin, il est fermé. Elle est là, elle tourne maintenant. Elle tourne, les cauchemars continuent. Donc, elle a commencé à raconter aux gens de son quartier, là. Ils lui ont dit, bon, si c'est comme ça, essaie de partir voir, vu que côté marabout, ça ne marche pas, essaie d'aller voir les pasteurs, les prêtres et tout, pour voir s'ils peuvent trouver une solution pour toi. Donc elle est partie dans une première église. Le pasteur, dès qu'elle est rentrée, même le pasteur l'a chassée. Il dit, toi, ta malédiction est trop dosée. Faut sortir un peu. Que ça, là, moi, je ne peux pas gérer. On dit, ils ont envoyé chez un pasteur aussi. Le pasteur dit, ah, pacte que toi, tu as lié là. Nous, on n'a jamais vu ça. Et c'est trop fort jusqu'à avec. Donc elle a expliqué. Il y a une femme qui lui a dit, si c'est comme cela, là, ce que tu as mis dans la bouche du cadavre, là, faut essayer d'aller enlever pour voir. Elle retourne dans la morgue. Vu que c'est quelque chose qui s'est passé, elle dit ça a fait 6 mois. Donc elle allait voir le morgue. Le morgue dit que les parents sont venus chercher le corps, ils l'ont enterré depuis, que lui il sait même pas c'est où ils ont enterré. Que lui il a juste étiqueté le nom même du mort, même il s'y rappelle pas. Voilà la femme aussi dans tous ses problèmes. Elle a couru à gauche, à droite, pleuré. Rien. Elle est décédée. Son mari est décédé. Le pire. C'est qu'elle n'a pas eu son garçon, elle n'a même pas tombé enceinte. Elle est décédée, son mari est décédé. Le pire, c'est que la première femme aussi est décédée parce qu'elle avait lancé sort à la première femme là, quand elle a mis les trucs dans la bouche du cadavre là. Donc ils sont partis ensemble. La première fille de la femme est décédée. Les deux autres filles là, on dit elles sont devenues folles. Elle a détruit toute une famille comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que l'argent du monsieur lui revienne à elle. D'accord, je dis souvent, vous faites d'abord même les garçons, faites très attention aux femmes que vous épousez.
Souvent, là, tu peux avoir deux, trois femmes, tu connais pas le fond. Elles vont tout le temps vouloir être la préférée, la ceci, la cela. Ça va envoyer trop de disputes. Donc, sachez déjà avec qui vous voulez sortir. Et puis, les co-épouses aussi, là, essayez de vous entendre. Essayez de vous entendre. C'était tout. Vous avez entendu ça? Ah, comment tu vas mettre quelque chose dans la bouche du cadavre jusqu'à enfermer ça? Coude même la bouche. Non, les gens sont mauvais. Nous allons écouter encore une autre histoire mystique. Ça risque de vous étonner. C'est parti. Donc, la prochaine histoire, je vais l'intituler Je vis avec l'étoile de ma sœur. Donc, c'est une fille, c'est toujours nous, chez nous là-bas, nous les continentaux, avec le cœur du lion qu'on a. C'est une fille, elle a grandi avec ses sœurs, une maman qui a cinq enfants, trois filles, deux garçons. Et c'est une maman qui vraiment se bat, elle s'est battue pour ses filles. Maintenant, elle a sa fille, l'une de ses filles, qui a le cœur du lion. Tout ce qui arrive à ses sœurs, elles vont à l'école. En fait, elle a la convoitise, elle ne veut, elle n'est pas contente quand quelque chose arrive à ses sœurs. Le genre de fille qui dit toujours que pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Donc, elle dit que je vais m'imprégner de l'histoire parce que je ne connais pas raconter. Et elle dit que je dois raconter ça comme c'était ma chose. Donc, la fille, donc, a le cœur du mbama, comme je disais tantôt. Elle rencontre d'autres filles dans ses marches de la nuit. Et puis elle dit aux filles que, mais quand on part toujours chercher nos blancs, moi les blancs ne me voient pas. Mais vous, on vous voit. Dans les choses de la voyance, qu'il faille aussi qu'on me voie, ses copines ont dit que, ok, je vous amène à Nanga et Boukou. C'est comme ça qu'elles sont parties là-bas. Je ne connais pas là-bas où elles sont parties. Arrivé là-bas, on dit à la fille que ton étoile ne brille pas. Mais tu as une de tes petites sœurs. C'est la magie. Si tu veux, on peut utiliser ta petite sœur, et le cœur du lion, pour faire le transfert. C'est où la fille dit que oui, on peut me transférer l'étoile de ma petite. Transfère-moi, elle dit au type que papa, transfère-moi l'étoile de ma copine, de ma soeur. Moi, je vais briller. Dans le genre de personnes qui préfèrent briller, et moi, je gère de ma famille. Donc la famille doit être ton esclave. Donc c'est comme ça qu'on transfère l'étoile de sa sœur. Maintenant, elle fait ce qu'elle a fait, elle rentre. Étant là-bas, quand le type transfère l'étoile de la sœur, le type ne lui dit pas que, entre-temps, il y a un temps où tu dois revenir pour toujours qu'on renouvelle. Elle prend l'étoile de sa sœur, elle rentre. Sa sœur, l'école même, ça ne donne plus. Les hommes même qui voient sa sœur comme le caca. Elle va de progrès en progrès. Elle a un homme qui l'amène en Europe. Elle achète les terrains, fait les choses. Je dis que la façon dont la fille m'a raconté l'histoire, c'est elle-même qui m'a raconté l'histoire, celle qui a pris l'étoile de sa sœur. Elle dit que sa vie dose. Sa vie dose. C'est-à-dire qu'une fille vampire, moi je l'appelle vampire, j'ai écouté son histoire, mais je l'appelle vampire. Et je l'ai appelée vampire. Sa vie dose. Elle vient raconter l'histoire pour sensibiliser d'autres personnes. Donc, toi, tu veux sensibiliser d'autres personnes quand toi-même, tu vis avec l'étoile de ta soeur volée. Sa vie, elle dit qu'elle est dérangée parce que la vie de sa soeur ne donne pas. Sa soeur souffre. Elle se demande comment faire pour libérer sa soeur. Mais comment faire pour libérer ta soeur? C'est simple, tu redonnes à ta soeur son étoile, tu reprends ton étoile de la poubelle. Elle dit qu'elle est dérangée. Donc, elle vient maintenant me voir que elle dit qu'en racontant l'histoire, peut-être quelqu'un peut aider sa sœur. Donc, maintenant là, les maladies qu'elle devait avoir, c'est sa sœur qui est en train d'avoir ça. Sa sœur a, on appelle l'éléphantiasis, la maladie où ton pied est gros là, comme l'éléphant, les machins, machins là. Sa sœur a ça. Sa sœur a traversé les remèdes. Sa sœur pisse sur elle, elle chie sur elle. Elle est comme un enfant. Personne ne veut même s'approcher d'elle parce qu'elle sent. Donc maintenant, c'est elle la grande, c'est elle la petite sœur là, qui est devenue la grande sœur dans la famille, qui fait tout pour la famille. Elle est nourrie, elle fait tout, elle fait tout, elle fait tout. Donc, elle est venue me raconter l'histoire, elle est là, parce que je la vois, je ne veux pas parler d'elle. Elle est là. Donc, elle a dit que je raconte son histoire.
Et maintenant, moi-même, je vais lui dire directement que ma soeur, la solution pour ton problème, il n'y a pas de solution mystique. Remets l'étoile de ta soeur. Dans la vie, Dieu donne à chacun de nous son étoile. Si Dieu te donne cette étoile, peut-être c'est parce que Dieu a vu ton cœur dur, ton cœur amer, ton cœur de jalousie. Peut-être il fallait que tu te mets dans la prière, tu t'humilies pour que le Seigneur change ta part, mais tu n'as pas voulu. Donc moi, c'est son histoire que je voulais raconter. Parce qu'elle est là, elle me met la pression depuis. Tata Letty raconte mon histoire. Mais tu veux que je raconte ton histoire, mais tu n'es pas prête à aider ta soeur. Donc moi, j'ai raconté l'histoire. DMG, pardon, je passe à la prochaine histoire. C'est la prochaine histoire qui m'intéresse. Pardon, la prochaine histoire. Mais Letty, avant de continuer, je préfère... Quand tu racontes les histoires, tu sais qui vient te raconter là. Si ce que tu fais comme ça, ils vont avoir peur de te raconter les histoires, tu vois. Ok, j'ai compris. Simplement l'histoire et laisse les compris. Autres les commentaires donner leur opinion. D'accord, merci. J'ai compris, je serai plus dur. Oh. J'ai compris, je serai plus dur avec les gens. Il n'y a pas de souci. Ok, maintenant la prochaine histoire dont je la raconte, juste, je deviens la voix, je deviens plus Letty. Parce que Letty est trop dure. Donc la prochaine histoire, c'est le gars, c'est un gars, un jeune gars. De nos pays d'à côté, nos frères, il est au Gabon, c'est un jeune gars, il est le mari du mari de sa mère, il est le il sort avec le mari de sa mère. Donc ce n'est pas l'histoire du mari de sa mère que vous avez, que d'autres ont entendu là, ça c'est une autre histoire, parce que actuellement il vient de tuer sa mère mystiquement pour rester avec le mari. Donc, sa maman a raconté un homme, lui, il a dit qu'il est né, le gars dit qu'il est né gay. Donc, depuis le bas âge, il est né féminin, il aime les femmes, il aime les hommes, voilà. Son papa est décédé, sa maman, récemment, il y a cela 2 ans, vient de rencontrer un blanc. Elle a rencontré le blanc. Le blanc, là, c'est un type bien. Ils se sont installés avec sa maman et tout et tout. Mais maintenant, le voyage que sa maman voyage dans des ONG. Donc, elle voyage, elle part, elle voyage, elle part, elle revient. Donc, il se retrouve dans la maison. Il n'est pas bisexuel, il est gay. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas intéressé, en fait. C'est le genre de gars. Parce que moi, je lui ai demandé. J'ai demandé parce que, excuse-moi, DMG, je stoppe parce que j'ai vu les commentaires. Je suis désolée. Parce qu'il n'est pas bisexuel. Parce que je lui ai demandé que, est-ce que si la femme se déshabille sans caleçon, elle est devant toi, ça te dérange? Il me dit que ma soeur, c'est comme si je voyais ma copine. Vous voyez un peu. Donc, il n'est pas bi, il est gay. Donc, il dit que quand sa mère fait les voyages, il reste avec le type. Il s'est rendu compte que le type le taquine, il regarde les télés, on se la télé ensemble, les pauvres comptes, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'une nuit après un film, le type s'est retrouvé en train de le faire par derrière. Quand le type a fini de faire, il dit qu'il a aimé la façon dont... DMG, pardon, ne sois pas gêné, je raconte l'histoire de quelqu'un. Hein. Je dois dire les détails, il ne faut pas que je coupe. Il dit qu'il a aimé la façon dont le type le touchait. Donc, quand le type a fini de le toucher, le type a proposé qu'ils aient en fait une relation secrète. Donc, ils ont une relation secrète. Le type a dit à sa maman qu'il veut envoyer son fils en étranger. Donc, le type a envoyé le gars, le jeune garçon en étranger. Quand le jeune garçon arrive là-bas, le type le prend encore soin de lui, mais le type n'a plus son temps et le type sort avec un autre jeune gars sénégalais. Donc, il entre maintenant, étant au Gabon, lui, il entre en, étant en Europe, il entre en contact avec quelqu'un au Gabon qui fait dans les trucs de, je sais pas, les rites. Et il dit qu'en fait, la personne tue le gars, le sénégalais. La personne tue le Sénégalais avec qui le blanc sortait. Donc le Sénégalais, parce qu'il dit qu'il a tué 3 personnes avant sa mère c'est sa 4e victime. Il a tué le Sénégalais qui sortait avec le blanc. Quand il a tué le Sénégalais qui sortait avec le blanc est revenu chez lui. Quand le blanc est revenu chez lui, ils ont continué leur truc. Il est rentré au Gabon. Quand il est rentré au Gabon, le gars a commencé à sortir avec un autre gars, toujours de leur pays. Il dit qu'il a tué le gars. Et il a encore tué un autre gars. Donc, il a tué 3 gars avant sa mère. Il dit que ce qui pousse, qui tue sa mère, c'est parce que le gars a décidé, le blanc, en fait, a décidé d'appeler sa maman parce qu'il harcelait le blanc. Donc, c'est lui, c'est le genre de relation où c'est lui qui est amoureux du blanc. Donc, c'est comme si le blanc, lui, c'était son travail. Genre, il est habitué à faire ce genre de choses.
Et il continue, il a lui son mariage. Maintenant, le gars, lui, là, c'est le blanc. Donc, c'est où le blanc dit, mais moi, je suis marié à ta mère, je peux pas faire ça et tout. Je suis même pas célibataire, que je vais dire, ok, je suis célibataire. C'est où il dit, ok, comme tu es célibataire, comme tu dis que tu n'es pas célibataire, il n'y a pas de problème. J'ai compris. C'est où le gars, mystiquement, il fait qu'on tue sa mère. Mais non, sa maman est morte. Ce qui fait à ce qui se confesse actuellement à moi, c'est parce que sa maman est en train de le hanter. Il dit que quand il va aux toilettes, il voit sa maman. Il est assis au salon, il voit sa maman. Donc, il dit qu'il vit avec le fantôme de sa mère actuellement et il ne sait pas quoi faire. Donc, il vient raconter son histoire. Il dit que juste pour raconter parce que ça le dérange, il n'a pas quelqu'un à qui il va raconter, donc il a besoin de s'exprimer, de parler de son histoire. C'est ça qu'il vient parler en fait sur la toile. Donc il n'y a pas de. C'est tout ce qu'il a dit, donc c'est un peu ça. Ouais, ce mot est d'une autre chose. Nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui est aujourd'hui comme un frère. En fait, ça se passe en 2013. Il réussit le bac, il vit à Yaoundé et on se retrouve en Guayaquil. On a sympathisé et tout d'un coup, ça allait très bien parce que moi, je marche beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles. Et un jour, il arrive à l'amphi. On était en groupe, il nous dit que depuis qu'il a aménagé dans la cité où il est, il a un truc qui ne va pas. On lui demande que mais c'est comment, il y a quoi. Il nous dit que ça ne va pas. Il décide donc, bon, comme le jeudi, le coup finit tôt, qu'on organise le châtel chez lui. On arrive donc chez lui, il habitait à Damas, à Yaoundé, ceux qui connaissent Damas. En fait, là, c'était comme dans une concession, il y a les appartements à louer, il y a une maison, peut-être une maison familiale, et il y avait une case en terre battue avec une cuisine à côté. La cuisine n'avait ni porte ni fenêtre, donc c'était ouvert. On arrive, il nous indique sa maison. On arrive bien, sa maison était dans un truc en étage, là, il avait une chambre avec la douche à l'intérieur et un petit coin qui est un peu comme le salon. On arrive, nous on trouve que c'est sympa, on demande que, gars, tu payes ton loyer, c'est à combien? Il nous dit non, c'est 15 000. La lumière et l'eau à pas 10 000. On reste, on dit, ah, mais c'est chouette, pourquoi tu paniques? Il dit donc, ok, vous voulez voir un truc? On dit oui. Tous curieux que nous étions, on le suit. On part donc au dernier niveau de l'immeuble. Il y avait une maison, donc un appartement là-bas, et c'était à l'appartement du concierge. Et ce jour-là, comme par hasard, la porte du concierge était ouverte. Il y a d'abord deux qui sont en jour, ils disent que mon frère, c'est un genre. On dit que, mais c'est un genre, comment? Ils nous disent que à l'intérieur, là, d'abord, il y a trop les petits trucs rouges, dont la décoration est un peu rouge, un genre. On voit, ils disent qu'ils ont vu le miroir et que le miroir, c'était un peu comme une caméra. Du genre où le miroir était subdivisé en petites cases. Pour ceux qui ont déjà vu les caméras de surveillance, imaginez-vous un miroir qui vous montre toutes les cases des appartements de la maison. C'était un peu comme ça, en fait. Et lui, il a pris peur. Il a demandé que non, on chibon. Il dit que mais on chiba, pourquoi? On a déjà vu, il faut qu'on l'attende pour demander ce qui ne va pas. C'est là où on a eu peur, on a dit qu'à mieux chacun fia, parce qu'à la lui, si on peut pas djoum comme ça chez le concierge, et il va nous laisser back. Et en plus, il n'y avait personne dans la cour. Il nous dit donc qu'il propose que la semaine prochaine, on requem, mais cette fois-là, on vient un peu plus tôt. Donc, on fuit même le cours du vendredi. On repart donc ensemble. On repart ensemble la semaine là et on arrive, la porte du concierge est fermée. Mais il se plaignait en disant que depuis un temps, c'est comme si le concierge a su qu'il était entré dans sa maison. On fait comme si de rien n'était, un mois, deux mois. C'est maintenant la petite qui go alors là-bas, et la petite, c'était une de mes du combi. Elle me dit que mon frère, elle go chez le gars, elle wanda que
Elle reste dans la chambre, elle a l'impression que le lit tourne seul. Je dis que mon frère, le lit tourne seul, comment? Elle dit que non, qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas bu l'alcool, elle n'a rien bu, mais elle a l'impression que le lit tourne seul. Et en plus, c'est comme s'il y a quelqu'un qui la regarde du haut. Donc vu que lui, il était en bas et le concierge était en haut, elle se disait que peut-être c'est le concierge qui est en train de la regarder à travers la dalle. Moi, Wanda, d'abord, comme mon frère, le concierge te look à travers la dalle, c'est pas le wish. Entre temps, nous, on est nous là, on se dit caca, peut-être le gars a trop vu les films des Nigériens, là, il veut nous ambiancer. On reste donc, on décide un jour d'aller le faire rendez-vous parce qu'il a fait 2 semaines, il n'était pas venu à l'amphi. On arrive là-bas, on a rencontré une grand-mère. La grand-mère nous dit que ouais, vous cherchez votre ami. On dit oui. Elle dit que vous cherchez votre ami. Il faut d'abord lui dire que quand il balait la cour, qu'il ne balait plus devant ma case. Je ne lui ai pas demandé de venir faire la propreté. On dit que mais grand-mère, il a seulement fait quoi? Il a seulement balayé. Non? Elle dit non, qu'elle ne veut plus ça. La grand-mère, là, en fait, c'était la maman du concierge. C'est à la fin de l'histoire qu'on a même su, en fait, que c'est la maman du concierge. On voit notre ami, le gars est malade, il est pâle, il vaut. Mais on dit que mes gars, c'est comment? Il dit que non, ça ne va pas. Depuis 2 semaines, ça ne va pas. Il se sent mal, il a même collé chez eux au village qu'on regarde. On ne l'a encore rien dit. Parce que c'est quelqu'un qui a passé le bac au village et il est venu en ville. Donc, tout était étrange pour lui. C'est là où il nous dit qu'il y a de cela quelques jours, il était lui devant sa porte, il a mis son tabouret, il taillait ses ongles. Il finit de tailler les ongles, maintenant il veut ramasser les ongles pour aller jeter, il ne voit pas. Il a d'abord pris ça comme un truc simple, il a abandonné. Il dit qu'une autre fois, il était devant son, comment on appelle ça, sur sa véranda, il se rasait avec son miroir. Après la barbe là, il n'a pas revu. C'est là où on lui dit que tu sais quoi, il faut un peu essayer de parler calmement avec ton concierge. Tu poses un peu les questions comme quelqu'un qui est naïf et tu vois comment il se comporte. On reste, on lui demande après, mais tu as parlé au concierge. Le concierge t'a dit quoi? Il dit que le concierge a dit qu'il est fâché, que comme on a vu ce qu'on ne devait pas voir là, le gars là va seulement faire les sacrifices ou à défaut il va voir. On dit que mais tu as vu quoi que tu ne devais pas voir? C'est là où on se rend compte en fait, ce n'est même pas lui, parce que le jour là, lui n'était même pas entré dans la maison du concierge, c'était 2 autres gars qui étaient entrés dans la maison du concierge. Et les gars là, c'est vrai qu'ils ont vu et ils nous ont dit ce qu'ils ont vu à l'intérieur. Donc, le concierge voulait donc se venger, croyant que c'est le garçon, en fait, qui a vu et qui a parlé aux autres qui étaient aussi dans le même dans le bâtiment, en fait, parce qu'il y avait plusieurs jeunes qui louaient là-bas. C'est là où le gars reste, on lui dit que tu sais quoi, essaye un peu de parler à tes voisins. Tu essaies de demander à tes voisins si eux aussi vivent la même chose que toi. Et que bon, comme Damas c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes, s'il y a un truc qui ne va pas, les jeunes du quartier vont se révolter. C'est comme ça qu'on rentre, le gars quelques jours après il vient en fac, on est tous contents, il n'y a rien. On dit qu'ok, on organise dans le château, je sais pas, comme d'habitude. On n'arrive même pas à l'entrée de la concession, on voit qu'il y a la foule. À nous de demander que mais c'est comment? Il y a quoi ici? Il y a la fête? Non. Il y a la veillée? Non. Il dit qu'en tout cas, rapprochons-nous un peu, on essaye de voir. On se faufile dans la foule. On voit que les jeunes du quartier sont là. Le chef du quartier est là. Il y a beaucoup de gens. On reste aussi, on essaye de voir ce qui se passe. C'est là où on suit seulement que tuez-le. Le concierge aussi, c'est un sorcier. Il prend notre palais, nous féticher avec. Il nous dérange beaucoup dans la cité. Le gars lui-même est étonné que donc je vivais ça avec quelqu'un d'autre. Donc je suis ici dans la cité, les gens vivent ce que je vis et personne ne parle. C'est là où on reste, on suit. Donc en fait, c'est une fille qui était dans la cité, qui est partie en fait signaler ça. Donc je ne sais pas si elle est partie voir un voyant ou un marabout. Bref, elle allait signaler ce qu'elle a vécu. On lui a dit que le concierge, c'est un sorcier. Il utilise leurs choses pour les féticher avec. Elle explique donc que là où elle est partie, on lui a dit que le concierge, là, le miroir qu'il a là, c'est sa part de caméra. En fait, il voit tout ce que les autres font dans leur chambre. Il contrôle tout. Quand tu sèches tes sous-vêtements dehors, parfois ça disparaît. C'est lui qui prend pour aller travailler. Et il fait ça en collaboration avec la grand-mère, là.
parce que justement la grand-mère, elle vivait dans la cuisine là, qui n'a ni porte ni fenêtre, et elle était là, elle faisait les trucs avec le concierge. On demande à la fille que, mais qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-bas? Elle dit que non, elle est venue avec un monsieur qui était un de ses clients, un gros poisson. Le gars est entré dans la chambre, il n'a même pas duré. Il a dit à la fille que non, l'endroit, s'il n'est pas bien, tu n'es pas en sécurité. Si tu as quelqu'un chez qui tu passes souvent pour te laver ou pour te... Je ne sais pas trop comment on peut... quel terme je peux utiliser pour définir ça. Donc en fait, si la fille va voir les gens pour pratiquer, qu'elle parte là-bas et elle parle du problème pour qu'on lui dise que l'endroit où elle vit n'est pas bien. Et le gars est parti, donc elle a perdu son client. C'est quand elle perd le client comme ça qu'elle se fâche et elle part, donc fait les recherches. On se rend compte que le monsieur, en fait, c'est un sorcier. Donc il loue la maison aux gens, il les manipule, il vole le truc pour aller travailler avec. On attache donc le concierge là dans la cour avec la grand-mère. Les gens sont d'abord étonnés que mais la grand-mère aussi, elle est dedans. C'est quand on dit qu'on va le brûler qu'il se met à parler. Il dit que non. Lui, en fait, il est là, il travaille pour quelqu'un d'autre, pour le grand maître. Et lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il loue les chambres aux étudiants. Et maintenant, il vole les trucs des étudiants pour aller travailler avec. Donc, si tu, peut-être tu tailles tes ongles, tu laisses tes ongles traîner, ils prennent pour aller travailler, les cheveux, les sous-vêtements, ainsi de suite. Il dit donc que de temps en temps, quand les étudiants là reçoivent les invités ont l'impression que le lit tourne ou qu'ils ont les hallucinations. Ce n'est pas le... Les hallucinations, c'est lui qui fait ça en fait. Parce qu'à travers son miroir, là, il réussit à voir tout. Il réussit à faire bouger les objets. Et il fait ça généralement pour effrayer les visiteurs, pour que les visiteurs partent. C'est comme ça donc que tout le monde a commencé à crier là-bas. Tout le monde sort, on dit qu'on veut le brûler, on veut le brûler. Il dit que non, que si vous me brûlez, tous vos trucs que j'ai pris, j'ai enterré. Je dois vous détacher et puis vous faites de moi ce que vous voulez. C'est là où la grand-mère, là, c'est donc fâché. Que pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Laisse-les. Il faut qu'on donne les sacrifices. Il faut qu'on donne les sacrifices. Sinon, il veut mourir. C'est là où on se rend compte, en fait, qu'il travaille, en fait, comme ça. C'est pour aider sa grand-mère, pour que sa grand-mère reste en vie, en fait. C'est pour rappeler aux gens qui partent souvent louer. Quand vous partez louer, faites attention. Parce que vous ne savez pas sur quel terrain vous allez jouer. Et c'est comme ça que le monsieur, bon, mon ami, là, aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Le monsieur a dû changer de chambre. Il est reparti louer à Bonas. Et même à Bonas, là-bas, ça n'allait pas. Il était trop menacé. Quand il a fini sa formation, il a lui désisté. Il a dit que non, Yaoundé, ce n'est pas bien pour lui. Il a préféré aller rester dans une petite ville à côté de son village jusqu'aujourd'hui. Donc, il a tellement eu son premier contact avec la ville, a été tellement négatif qu'il a lui préféré partir. C'était un peu ça la première histoire. Waouh, c'est vraiment grave.